If I can do it, you can do it. Bonjour les amis de la pâtisserie, bonjour Albaroc. Salut Sabrina. Hello good people. Alors aujourd'hui on a la quiche, fruit de saison et enfin de l'automne, fruit du moment on va dire. Voilà. D'accord. Donc on a fait un tiramisu de quiche. C'est une compote de quiche avec un biscuit génoise arrosé à la quiche, à la vieille prune en fait, et au sirop, et une crème mascarpone comme pour le tiramisu normal. Hein. Là, donc c'est la recette, on la trouve sur Albaroc, donc sur la Albaroc, recette du tiramisu. Voilà, donc, c'est ça, oui. Voilà. C'est toujours la même masse qu'on utilise. C'est toujours la même recette qu'on a de base en fait. D'accord. Hein. Voilà, donc on a décoré une assiette, voilà, avec donc une branche de... d'arbre quiche. Le quichier. Le quichier. Hein? Je ne sais pas comment on disait, mais bon. Alors, on va mettre un peu de couleur au quichier. On a fait un genre de violet hein, pour retrouver la couleur de la quiche naturelle. Je ne sais pas si vous voyez. Si, on voit. Vous voyez. On te suit. Vous me suivez. À la trace. Voilà. Nos petites quiches, donc un décor simple. Mais qui correspond exactement à notre dessert en fait. Et nos petites feuilles. Voilà. Oh, mais c'est... Ça regarde très joli. Ça regarde joli, je trouve aussi. Voilà, donc on va mettre notre tiramisu dans l'assiette, avec la petite dentelle. Donc... Et donc on a décoré notre verre au pinceau avec du chocolat blanc et du beurre de cacao rouge, coloré en rouge. D'accord. Voilà, c'est une petite touche en plus, la petite touche de Stéphane Glacier, hein, on va dire, hein, c'est oublié des noms, mais bon. Voilà, on place ça dessus et on va décorer. Donc on a fait une gelée de quiche avec du Svetsken Rösten, qui est une spécialité autrichienne. Ce sont des quiches marinées dans le vin rouge. C'est une conserve de quiche qu'on laisse au moins 6 semaines. Et donc c'est du vin rouge, des épices et du sirop. Et voilà, au bout de 6 semaines, ça donne un résultat extraordinaire. Là, on a une superbe conserve. Elles sont dedans, elles sont marinées. Voilà. C'est cuit à 85 degrés. Précisément pour que ça tombe pas en compote. Voilà. Et donc on récupère le jus et avec ça on le gélifie à combien de feuilles au litre, Albaroc ? On gélifie à 8 feuilles au litre. Voilà, donc on a préalablement coupé et on aura des cubes. Ça coule, ça s'en va. Un cube de jus de quiche mariné en fait quoi. Voilà. Mettre une petite feuille de menthe. Non, qu'est-ce que je dis d'abord ? D'abord le décor en chocolat. Je me mélange un peu. Hein, t'as encore et c'est pas trop problème. Hein. Ça c'est pas grave. Voilà. Voilà petite pointe au chocolat. Une magnifique branche de mélisse du jardin de Albaroc. Oui, ben vous avez demandé la mélisse, ne quittez pas. Exactement. Voilà. Et bon, on va mettre encore une petite quiche marinée. Vous voyez, ce sont des petites quiches en fait. Hein. C'est une variété petite comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. On va mettre dessus joliment et la cuillère pour pouvoir aller jusqu'au fond du tiramisu. Et qu'est-ce qu'on sert avec alors, ça? On a un magnifique macaron à pistache. Venez par ici. Nous venons, voilà. Le macaron à la pistache. Le petit macaron à la pistache qui va accompagner merveilleusement. Croyez-moi, c'est excellent. La goûteuse a dit c'est excellent. La goûteuse a dit. Dessert simple. Mais vraiment de saison et vraiment un super mariage entre la quiche et la pistache. Bah voilà, alors on envoie alors. On envoie, allez. Allez, c'est parti. Ciao. Ciao.